Je me demande si on peut juste vérifier quelque chose. Un des groupes régionaux a suggéré qu'il voudrait un peu plus de temps pour discuter entre eux et ils suggèrent une façon différente de faire, ce qui serait que on ferait des tables de discussion dans différentes parties de la table jusqu'à 15 heures, chacune des cinq régions. Et après la pause, on aura 15 minutes par région pour donner notre rapport. Et je me trouve pas particulièrement en faveur d'un côté ou de l'autre, mais j'aimerais votre feedback. J'aimerais tenter le pouls de la salle pour voir quelle est votre préférence. Donc, dans les groupes, vous aurez plus de temps pour la communication et de consolider certaines idées, mais il y aura moins de temps pour le groupe entier aujourd'hui pour le discuter. Mais on pourrait y revenir en plénière demain. Donc, l'Amérique du Nord sera ensemble, l'Amérique centrale, le Mexico, le Sud-Amérique du Sud et l'Océanie. Bon, tu viens de défaire mon groupe. Tu viens de piler sur les sensibilités mexicaines. Le Mexique fait partie de l'Amérique du Nord. Donc, levez la main. Aimeriez-vous cette approche révisée ou qui veut garder l'approche originale? L'approche révisée, s'il vous plaît, celui avec les petits groupes de discussion. Ou l'ordre du jour tel qu'annoncé ce matin. Il va y avoir des avis partagés. Donc, ce sera l'ordre du jour révisé. Donc, de façon arbitraire, je veux dire que le Mexique et l'Amérique centrale, là-bas, l'Amérique du Sud, l'Océanie, le Canada, l'Afrique. On va mettre l'Afrique ici. Je veux pas que les gens se déplacent trop. Vous allez dehors? Non. Non. Vous avez jusqu'à 3 heures. Donc on revient à 3 heures. Sudamérica va para...